Bonjour, rebonsoir, re ce que vous voulez. Malheureusement, malgré les précautions que j'ai prises, Windows m'a encore dit d'aller me faire foutre. Hein. Je crois que ça commence à être un problème assez redondant. Normalement, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Ah, non, mais ça a tendance à planter dans les premières. Dans le premier quart d'heure, en fait, ça a tendance à planter, puis ensuite ça va mieux. Comme si ma fucking carte graphique avait besoin de chauffer, je ne sais pas, c'était la drogue. C'est la drogue, et régalez-vous-en en même temps que moi. Bon, est-ce que je suis encore en ligne? Hein? Ça c'est la question qu'on peut se poser. On reste bouillave dans les chiottes, bébé. Piu piu, hop. Le restream est-il présent? Piu piu piu, en théorie, ça c'est bon. Ah là là. Bon, au moins pendant ce temps-là, je ne suis pas en train, je ne suis pas en train de perdre. Donc je disais, au moins pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de perdre des images. Bon, est-ce qu'il y a moyen d'avancer? Apparemment, la team a fait le taf. Donc, j'ai envie de dire félicitations, les gars. Rien que ma présence a suffi à faire reculer l'ennemi. Piu piu piu. Piu piu Alors. Coucou à je ne sais pas qui parce que je n'arrive pas à lire le pseudo. Ce style. Ah, ulti, il dirait. Ouais, la déco tactique est totalement présente. Donc, coucou Jonas. C'est toi qui as hacké mon PC pour qu'il plante, avoue. Bon, j'ai totalement rien à foutre ici, moi. Ah, oh, mais on va gagner en plus. Ah, oh, mais on va gagner, mais easy. Easy. La tactique que j'ai imprimée était totalement la bonne. Enfin, la stratégie que j'ai proposée était totalement, totalement goldée. On va lui refaire les fesses au geyser. Pendant ce temps-là, je bois mon café. Oui, parce que voilà. C'est le jeu où tu peux faire ton café, le boire. Et roter ton coca sans aucune retenue. Bon, alors, mais il n'y a plus d'ennemis. C'est ça que vous me dites, en fait. En fait, il n'y a plus d'ennemis. Non, il doit être. Putain, il reste plus que les cuirassés, quasiment. D'un côté comme de l'autre. Oh. Oh, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. La qualité d'image est meilleure. Bah, c'est peut-être parce qu'en fait, là, je suis en 15 FPS à 480p, donc je pense que les images sont moins compressées. La dernière fois, t'as dû m'entendre râler d'avoir des problèmes de débit, etc. De trucs qui étaient pas stables. Putain, les mecs sont pas à portée. Donc comme c'est instable, je pouvais pas envoyer comme je devais normalement. Donc du coup, j'ai réduit à 480. Et en fait, effectivement, comme me disaient certains viewers, à 480, ça a l'air de pas marcher trop 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 mal. Bon. Les méchants sont là-bas, les méchants. Ah là là. Oui, on va peut-être essayer de pas se manger le lit quand même, hein, si vous voulez bien. Oh, mais ils sont tous cachés derrière leur petit coin là. C'est leur petit coin qui est là, là, vous voyez? J'ai l'impression ils sont très coincés là-bas. Ça m'étonne un peu parce que les mecs, ils sont 5, on est 5. Bon, après. Ah non, ils sont 6. Ils ont un porte-avions. Il n'y a peut-être plus d'avions sur le porte-avions, ceci. Hein, je compatis. 12 secondes, oulala. Alors,
Qu'est-ce que ça donne? Paf, donc un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, et sinon on était bon. Ah, est-ce qu'il est pas en train de tourner? Si, il est en train de tourner. Le salaud. Ah, oh! Oh, faut qu'on aille niquer le porte-avions. Faut qu'on aille totalement niquer le porte-avions. Je vais ralentir. Je vais ralentir et essayer de me foutre. Alors, piou piou piou, toi tu vas aller par là, je le sens. Ne vous inquiétez pas, il y a des alertes, tout ça, mais la situation est sous contrôle. Alors, est-ce que ça lui tombe dessus? Oh putain, ça lui tombe à côté. Bon, on va un peu moins exagérer le déport. Ah putain, allez, donnez-moi. Ok, alors, un peu moins comme ça devrait être bon. Alors, piou piou piou, est-ce que ça lui tombe sur le fion? Ah merde, il a disparu le con. Ah fuck, bon. Bon, si c'est comme ça, on va sortir de notre petite nasse. Et on va aller faire coucou. Coucou, tu veux voir mon canon pénis? Mon canon péniche? Bon, alors est-ce que je vais avoir des canons pour ces messieurs? Piu-piu. Alors, on va dire 7 secondes. Allez. Alors, apparemment, je suis repéré, donc il est temps de se barrer. Pif paf pouf, ah, on fait moins le malin avec un glock dans la bouche. Bon, par contre, le temps que ça reload, je sens qu'il va se passer des trucs. Ah, il y a tout à fait un cuirassé ici, un cuirassé ici. Oh, mais il est bloqué, il ne bouge plus. Oh, je vais l'achever à terre parce que voilà, c'est ça, c'est la guerre, c'est dégueulasse. Oula. Oula, mais putain, les mecs, ils ont visé comme des bites. Ils ont visé comme des bites dans un boucaquet américain. Parce qu'évidemment, le boucaquet japonais, les mecs, ils savent viser. Allez, allez. Bloup, bloup. Ah bah voilà. Là, il se passe des choses, là. Hein, il se passe des choses, enfoiré. Hein? Avec tes petits avions qui te protègent, tu crois qu'il va t'arriver quoi, mon gars? Hein? C'est-à-dire, voilà. Ok. Bon, maintenant. Est-ce qu'on fait demi-tour avant l'île? Ça devrait être possible. Ça devrait être possible. Merde, ah putain, ça y est, ça y est, ça y est. Il y a des gens qui veulent contester, hein? Non, il n'y a pas de contestation. Bah, c'est marrant, ça s'est calmé d'un coup, dites donc. Eh putain. Ok, donc toi, tais-toi. Moi, c'est moi. Bon, et j'ai dit éviter l'île, bordel. Éviter l'île, hein? Alors, Pugwash, est-ce que tu montres le bout de ton zob ou est-ce qu'il faut que j'aille te choper à coup d'éclaireur? Alors, piou piou piou, ça lui tombe dessus, ça lui tombe dessus. Oh putain, juste à côté. Ah, il a engagé la manœuvre d'évitement, hein, je le félicite, si, je le mérite. Là, moi j'ai engagé une manœuvre d'évitement de mon côté aussi. Apparemment, elle a l'air de réussir.
Bon, piou, 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 on va dire que là. Bon, ah bah voilà. Ah bah voilà, on a gagné. Je vais gagner 3 points d'XP. On ne va pas se plaindre, écoutez. Les choses se sont bien passées, je dirais qu'elles se sont mieux passées qu'un World of Tanks normal de bon matin. Donc ne nous plaignons pas. Alors est-ce qu'on a des choses à améliorer? Est-ce qu'on a de la customisation? Bah, on va passer chez Noroto. Noroto, il me dit non, il faut encore 8000 d'XP, va te faire foutre. Bon, ok. Alors on va prendre encore plus tranquille. Merci Uldir, ça fait plaisir. On va prendre encore plus tranquille avec le porte-avions. Keep calm and blame the joueur de porte-avions. Parce que voilà, on va faire du soutien tranquillou. Normalement, voilà, c'est pas. Normalement, c'est pas ultra méga compliqué. Alors, on va faire ce qu'on peut. Ah, mais quand j'y pense, ça a planté quand j'ai lancé Discord, non? Bon, je vais lancer Discord, l'engeance du chétan, et si ça plante, hein, on saura pourquoi, n'est-ce pas? Pioup, allez. Bon, alors, à quoi ressemble cette bataille? Ouh, c'est chaud. Il y a beaucoup de petites îles. Beaucoup de petites îles, il va falloir que je me méfie un peu. Ceci dit, je pense que je vais me caler là. Je vais me caler là, puis je vais lancer des reconnaissances, et puis on verra bien ce que ça donne. Souvent, il y a pas mal de petits bateaux qui viennent se planquer dans les coins un peu foireux. Non, tac. On dit que ça. Des musiques pour la bataille de Saint-Nazaire. C'est ça le. Moi, il me semblait que c'était. Ah merde, je ne sais plus ce que c'est, mais il me semblait pas. Alors, bon. Alors, groupe 2. Groupe 2, vous allez. Non, groupe 1. Groupe 1, vous allez faire. Tac. Tac. Et tac. Voilà, on va dire que vous patrouillez, ok? Alors vous là, vous allez par là, vous là, vous allez par là, et puis on va suivre qui va où, et puis on saura comment ça se passe. Alors, piou piou, alors mon groupe d'éclaireurs, est-ce qu'il voit du monde? Apparemment il voit personne, youhou, salut les gars! Ah, je commence, je sais pas si vous voyez, mais je commence. Ah non, c'est peut-être parce que c'est des avions. Ouais, c'est parce que c'est des avions. Je commençais à me demander si j'avais pas des bugs graphiques, mais non, en fait, c'est genre, il y a des particules en l'air. Ok. Tac, alors vous là, je vais vous dire d'aller vous occuper de ce mec-là. Ah, il y a des avions ennemis qui ont été repérés. Donc allez absolument me choper ça et on va voir ce qui se passe au niveau de la bataille. Voilà, c'est bordel, je ne vois plus rien. Attendez, on va essayer de garder une vue d'ensemble. Ah. Bon, les choses se passent totalement. Si vous y comprenez quelque chose, c'est mieux que moi. Alors lui là. Ce groupe là, est-ce qu'il a un bateau? Oui, il y a des bateaux en vue. Eh, hey, mais putain, toi là. Toi là, putain de destroyer de mes deux. Ah putain, merde, on le repère plus. Bon, ok. Bon. Hop. Allez vous. Eh, hey, mais non, mais putain, il y a des. Ah, le Kaiser Sosé. Kaiser Sosé, hein. Vous-même, vous savez. Alors, est-ce qu'on va réussir à balancer au moins une torpille sur le Kaiser Sosé? Je ne sais pas. On va savoir. Ah, il y a deux torpilles. Est-ce qu'il y en a une qui va toucher ou deux? Ou il y en a une. Ah, elle va toucher celle-là. Elle va toucher celle de gauche, elle touche. Bon, ah merde, putain, groupe détruit. Fuck.
ça ne commence pas bien. Je vous le dis tout de suite, ça ne commence pas bien du tout. Ah, le groupe a les couilles vides, donc il retourne à la base. Ok. On va aller explorer ici. Piou, piou, piou. Piou, piou. On va ici. Ah. Attendez, attendez. Piou, piou. On va aller. Non, merde. On va aller explorer par là, en fait. Et puis faire. J'ai perdu mon USB temporairement, j'avais plus de clavier, j'avais plus rien, merci Windows, tout ça. Est-ce que j'ai retrouvé... Bon, alors vous là, allez par là aussi. Les sous-marins, écoute, les développeurs ont fait style non, mais vous voyez, les sous-marins, ça va être compliqué, on va pas le faire. Et finalement, il semblerait qu'ils soient en train de le faire, d'après des informations de gens, d'informateurs bien informés. Donc du coup, voilà. Ah, il y a des avions, il y a des avions. Où sont les avions? Où sont les avions? On va niquer les avions ennemis. En espérant qu'on va les niquer. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends rien. Non, en fait, les porte-avions, c'est pas que c'est nouveau, c'est que je l'ai depuis récemment, parce qu'en fait, il faut que tu sois au moins tier 5, tier 4, tier 4. Faut être tier 4 pour avoir le droit au porte-avions. Allez, les mecs. Allez, piou piou, rentrer à la maison. Oui, 4 torpilles. Les 4 torpilles ont été balancées. Est-ce qu'il y en a une qui va toucher? Je suis même pas certain. Ah, ils esquivent bien, les salauds. Ah, ils esquivent bien. Ah, mais on peut au moins leur accorder ça. Allez. Allez. Allez, piou, piou, piou. Rebalancer l'heure des torpilles parce qu'ils n'ont pas compris la première fois. Allez, là, il y en a au moins une qui touche. Il y en a au moins une qui touche. Pif, allez, pif, ça lui rentre dedans. Voilà, c'est ça, les vraies choses, les vraies strates. Les vraies strates sont présentes. Alors, apparemment, je n'ai plus d'éclaireur. Je n'ai plus que des groupes d'attaque. Ce groupe-là, les couilles vides. Celui-là aussi, tout le monde retourne. Tout le monde retourne au... Ouh, merde. Merde, merde, merde. Oh putain, mais alors vous êtes en train de me dire... Que les gars, genre, ils ont repéré mon porte-avions, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Bon, on va faire tourner le porte-avions parce que tout ça, ça ne me plaît guère. Ah putain. Piou piou piou, donc ce groupe-là, on va essayer de le balancer par là-bas. J'ai l'impression que ma team fait un peu de la merde, hein. Bon, je ne suis certainement pas le dernier, mais j'ai l'impression que ma team fait de la merde. Ceci dit, mes avions d'attaque sont encore là, c'est déjà pas si mal. Ouais, c'est excellent. Enfin, c'est marrant en fait, mais c'est un peu trop le bordel parce que pour l'instant, en fait, j'y comprends trop rien. J'y comprends tellement rien, c'est trop le bordel. Oh putain, mais niquez-moi ça, niquez-moi ça, merde. Ah putain, ils peuvent pas s'attaquer à ceux-là. Ils sont obligés d'essayer de fuir. Ah putain, ils vont jamais y arriver. Ils vont se faire niquer, mes avions. Ah là là. Malgré le pouvoir du père Fouras, je crains que ce soit voué à l'échec. Non, je n'ai plus de groupe d'éclaireurs. Oh là là, putain. Oh là là, fais chier. Ah, les chieurs. Bon, je vais passer par-dessus mes bateaux, ça va peut-être être mieux.
Ça, c'est super mal engagé. Hein. C'est ultra méga mal engagé. Bon, notre team a pris de l'avance. Je suis fort heureux de l'entendre. Toi, If, tu vas être notre cible. Et alors, comment on va essayer? On va essayer de l'attaquer le plus comme ça. Parce que ça devrait correspondre à notre angle d'arrivée. Et dès qu'ils ont bougé, je leur dis de se replier là-bas. Alors, est-ce que ça balance les torpilles? Les torpilles sont balancées, n'est-ce pas? Les torpilles sont balancées. Ah, le mec esquive de l'enfer. Ah non, bim! Ouhou! Ah, voilà, ça lui apprendra à montrer son cul, hein. Les torpilles ont puissamment pénétré son petit blindage innocent. Et donc, nous voilà bien avancés. Bon. En fait, je n'ai plus qu'un seul groupe de vol, c'est ça, ouais. J'ai plus que ce groupe-là. Donc, on va essayer de se concentrer sur lui et de le faire atterrir sur le porte-avions tranquillement. De le faire atterrir sur le porte-avions tranquillement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, porte-avions, tout ça. Tac, tac, tac. Alors, c'est le haut chaud. On va les faire rentrer au chaud, n'est-ce pas? Bon, bah écoutez, je crois que c'est une des rares fois où je descends un navire ennemi, évidemment, avec les avions. Donc écoutez, je suis pas mécontent, d'autant plus que je crois que c'était un porte-avions. Pas que c'était un porte-avions, je crois que c'était un cuirassé, je veux dire. Un cuirassé, n'est-ce pas? Merde, mais comment je. Comment. Rentrez à la maison, les amis. Rentrez à la maison. Rentrez à la maison. Merde. Rentrez à la maison, s'il vous plaît. Ah, bah ça doit être le signe de patrouille, en fait. Oh. Oh, mais on apprend des trucs. Donc, si ça, c'est le truc de patrouille, j'essaierai de m'en servir les prochaines fois. Bon, et si vous alliez, comment on leur fait H? Non, putain, putain, comment on les fait rentrer à la base? Ah, putain. Oui, mais non, putain. Dire voilà, elle est par là, quoi. Ah, putain, y a pas un truc pour leur dire. Bon, alors, excusez-moi, on va aller dans les. Ah merde, les options sont pas là, mais si, les paramètres sont là. On va demander dans les paramètres. Touk touk touk. Alors, escadron machin. Escadron truc. La dispersion des torpilles, on s'en balèque. Batterie principale. Comment leur faire. Avion, alors. Avion, escadron suivant. Décollage à l'appontage J, bah voilà, il suffisait de demander. Oui, non, l'intérêt d'un double écran, c'est de défoncer mon, compte en banque. Donc J, bordel, voilà. Et on peut tous les suivre, on peut suivre les appontages. J'ai dit returning, hein, les mecs. Oui, merci. Bon, maintenant je sais quelle est la touche. C'était pas bien compliqué. Oui, les mecs, ils atterrissent comme ça à la one again. C'est pas encore gagné, hein, parce qu'on est 4 contre 4 et franchement. Je suis pas certain qu'on puisse faire grand-chose. Ok, groupe 4, paf, allez. Ok, groupe 4.
Le groupe 4 a décollé. Ouais, on va essayer de prêter main forte à celui-là, histoire d'éliminer un peu la menace. Je vais essayer de me foutre un peu ailleurs parce que sinon ça va puer du fion et pas comme j'aime. Bon, piou piou piou. Alors, quelle gueule il a le batal? Quelle gueule il a le batal? Alors, piou piou piou. Je n'arrive pas vraiment à voir parce que c'est un peu le bordel. Ouais, on va essayer de le prendre de flanc. On va essayer de le prendre de flanc en espérant ne pas se faire abattre comme des chiens d'us. Ouais, là normalement on le prend bien perpendiculairement, ça doit être une grosse cible. Oui, bah écoutez les mecs, j'ai envie de dire c'est un peu normal. Oh! Oh! Bon bah voilà, hein. Un peu comme à World of Tanks, les mecs je les regarde mal et ils meurent. Bon, bah on va aller faire un tour du côté du centre de la map. J'ai l'impression qu'on est un petit peu tout seul. Putain, y a plus qu'un seul, y a plus qu'un seul cuirassé. Je vais dire à mes gars de. Je vais dire à mes gars de l'escorter en fait. Quoique en fait, l'escorter avec des machins à torpilles, je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Bon, ceci dit, on est en avance techniquement. Je me demande si je ne devrais pas. Je me demande si je ne devrais pas jouer un petit peu la tente. Là, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que. Oh, plus 2, plus 2. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud. Ouais, mais faut attaquer, mais t'es gentil. Techniquement, on est contre 3 bateaux en face. Et franchement, ça va être super haut. Je vais essayer de faire une petite patrouille. Le problème, c'est qu'avec juste mes avions, en fait. Avec juste mes avions, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est super chaud. Parce que bah du coup j'ai aucune défense aérienne. Et j'ai pas envie de faire perdre mon équipe à cause de ça, tu comprends bien. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Hop. Allez, attaquez-moi ça direct. Direct comme ça là. Ok, on se casse de là. Piou 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 les avions. Ok, donc les avions font semblant de rentrer au port. Et en fait, pif, j. Hop, on les fait revenir à la base. Apparemment, aucune torpille n'a touché. Hein. J'ai pas trop eu le temps de suivre. J'ai pas eu le temps de suivre, mais par contre, mes avions sont encore intacts. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. J'ai essayé de dire aux gars de faire gaffe à. Oh putain, mais rentrez à la base, vous, bande de cons. Oh. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, je vais essayer d'aller me planquer un peu plus loin. On va un peu plus loin. Allez, les gars, on se pose. On est complètement posé, tatoué de la tête aux pieds. Ouh. Bloup, bloup, bloup. L'ennemi a commencé à capturer la base. Putain, les enculés! Bon, mes avions rechargent. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il faudrait faire quelque chose. Là, ils sont en train d'attaquer notre base, si tu veux, et ça, c'est super mauvais. Ok, ready for take-off. Allez-y, les mecs. De toute façon, le Miyogi, c'est un truc tout nul, je le sais, j'en ai un. Oui, ready for take-off. Hein? Vous y allez, les mecs? Non mais non, putain pas le bateau. Ah, les avions. Ready for take-off. Voilà. S'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Merde, merde. Oula, je me suis fait toucher. Je me suis fait toucher. Allez, salaud. Ça va être chaud. Allez, espérons que là on lui mette quand même un bon gros coup dans le fion. Oh là, j'ai déjà perdu un avion. Ah là là.
Mais il y a quand même une grosse partie de la team, je ne sais pas ce que, je ne sais pas ce qu'elle est allée foutre, mais les mecs ils sont quand même allés mourir bêtement. Hein. J'ai envie de dire voilà, hashtag la mort en poule. Je ne sais pas ce qu'ils étaient allés foutre les mecs. Oh là là, putain, le pont d'envol en feu, bordel! Putain, posez-vous et repartez vite, les mecs. Ouh, vite, 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 putain! Allez. Putain, allez me niquer ça, là. Allez me niquer ça, allez me niquer ça, allez me niquer ça, putain, mais décollez, bande de cons. Mais non, putain! Ah! Putain, j'ai dit groupe 3, bordel, décollez. Merci. Bon, je crois que mon porte-avions est un peu foutu. Je crois que mon porte-avions est en pleine foutance. Et merci la team, merci. Oh là là, putain. Oh là là, le mec, il a trop esquivé. Oh, le mec a esquivé comme un salaud. Et malheureusement, malheureusement, voilà, l'heure de vérité, tout à fait, la vérité est contre moi. Ah putain. Putain, la team qui s'est laissée, mais voilà, la team, elle s'est laissée mourir bêtement. Hein, je veux dire, voilà, je peux pas tout faire non plus. Hein, j'ai fait mon taf, est-ce que vous faites le vôtre? Ah, les mecs, ils ont tellement pas fait leur taf. Bon, le Osho, est-ce que je peux lui rajouter des petits trucs histoire de le pimper un peu? Ah, maintenant, je les ai déjà, merde. Je les ai déjà. Le moteur, il est tout neuf. Contrôle de vol. Ah, maintenant, je l'ai déjà aussi. Oui, bon, bah, en gros, tu fermes ta gueule, tu prends ton porte-avions, et voilà. Ah, bah, Ulysse, mais totalement, enfin, lui dire, totalement, totalement, le suspense était là, malheureusement, ah, la team a craqué, hein, je sais pas ce qui s'est passé, mais la team a craqué du slip. Bah, en fait, les bourrins en attaque, c'est les torpilleurs, probablement qu'ils ont pas fait leur taf, je sais pas comment ça s'est goupillé, hein. Le problème, c'est que c'est difficile d'avoir une vision d'ensemble du truc quand t'es dedans. Mais bon, clairement, clairement, j'ai fait ce que je pouvais et voilà. La team peut quand même pas me dire que voilà, c'est de ma faute. Mais mine de rien, si tu sais, ce jeu, faut pas être bourrin, faut vraiment faire attention parce que une fois que tu as choisi d'attaquer, tu vois comme on a choisi de faire tout à l'heure et malheureusement ça n'a pas réussi. Une fois que tu as choisi d'attaquer, bah voilà, t'es engagé pendant très longtemps parce que tu peux pas reculer, tu peux pas faire hop, je backdash et puis ça y est, il y a plus aucun problème, tu vois. Et ça évidemment. Ça, évidemment, c'est très 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 problématique. Bon, piou piou piou. Alors, les explorateurs, on va les faire explorer là-bas, ici et là. Alors, les torpilleurs, on va leur faire faire un petit tour ici et un petit tour ici. Et les deuxièmes torpilleurs, on va les faire torpiller ici et puis. Ici. Merde, 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 merde. Ici et ici, bordel. Bon. Ceci étant, groupe 1, les explorateurs, les éclaireurs. Est-ce que j'ai envie qu'ils me protègent moi ou est-ce que j'ai envie qu'ils protègent des gens? Le Kaiser. Bon, écoutez. Bon, les gens ont l'air d'aller relativement vite. Je vais essayer de voir si, attendez, ces gars-là, si ces gars-là royal ne mériteraient pas. Voilà, on va essayer de les, on va essayer de les surveiller, de voir. Et en fait, je sais pas ce que donne la patrouille autour, donc. Allez, pif, allez, attaquez-moi ça.
Oh là, oh là, oh là, mais Concentrate Fire. Oh putain. Eh, mais c'est pas ce que j'ai dit, bordel. Ah, ils ont balancé les torpilles, ils ont balancé les torpilles. Ok. Ok, donc vous retournez à la base. Groupe 2. Enfin, groupe 3. Enfin, c'est un peu le bordel dans la désignation des noms de groupe, hein. Alors, le Myogi, vous-même, vous savez que c'est une merde. Je le sais, j'en ai un. Ok, piouf, 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 on rentre à la maison. On rentre à la maison, tac, tac. Eux, ils ont déjà lancé leur... La torpille. Ah, tiens. J'ai touché quelque chose. J'ai touché quelque chose. Alors, on continue à patrouiller autour de ce mec-là. Bon, allez, écoutez. Je ne vois pas d'avion ennemi, en fait. C'est ça qui me paraît un peu bizarre. Ah, on est en train de recharger. Oh, il y a du monde au nord. Hein. Il y a du monde au nord, ça va être chaud patate, ça va être chaud cacao. On va essayer d'envoyer du monde au nord. Alors, groupe 3, piou, 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 vous allez par là. Si le truc veut bien s'afficher. Non, ça veut pas s'afficher. Putain de groupe 3, tu te bouges le cul, s'il te plaît. Merci. Bon, groupe 3, on va essayer de balancer. Ah, par contre, vous là, il y a des vilains, il y a des vilains ici. Alors allez me les choper. Normalement, s'arranger pour avoir la supériorité aérienne, c'est quand même pratique. Ah putain, je vais passer en plein dans le bordel en fait. On va passer en plein dans le bordel, ça va être chaud, 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 les marrons chauds. Piu, piu. Merde, mais bordel, bordel. Allez me choper ça là. Non, mais ça. Ah, mais c'est des mecs avec des torpilles. Ah, putain, mais quel boulet, quel boulet. Bon, eux, ils y vont. Ok. Eux. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire, dans le tas de connards, il va bien en avoir un. Il va bien en avoir un. Il va bien y en avoir un glacé. Putain, merde. Je leur fais tellement faire de détours. Alors là, c'est la magie du jeu. Voilà, les mecs sont passés à travers. On n'a rien vu. Ah, non. Je vais essayer d'achever. Je vais essayer d'achever les faibles. Parce que dans ce jeu-là. Les faibles, ils peuvent toujours te balancer une torpille ou te balancer une bonne petite bordée, donc vaut mieux se méfier. Bon, est-ce que le groupe carte va ici? Bon, eux, ils rentrent à la maison. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger de là parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça s'est méchamment. Merde, merde. Ça s'est méchamment dépeuplé de ce côté-là. Donc, on va aller prendre une petite tangente, n'est-ce pas? Sur ce, mais. Merde. Merde. Alors, groupe 4, il est où? Oh putain. Oh putain. Oh putain. Eh, mais ils ont encore les couilles pleines. Mais allez me niquer ça, bordel. Allez. Vous, certains parmi vous risquent de mourir, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Allez, il y en a bien un qui va le toucher. Oh putain, il a esquivé ça comme un salaud. Ah, j'avoue, l'esquive est puissante en lui. Hein, ça, on va pas nier. On va pas nier que. C'est chaud patate. Oh putain. Le bordel.
Bordel, bordel, le mec il est en train de faire le tour. Ça ne s'annonce pas du tout bon pour moi. Putain, putain, ça s'annonce pas bien. Ça s'annonce pas bien, je vais mourir bêtement parce que je suis resté trop longtemps éloigné de la team. Ah là là. Où sont mes torpilleurs? Mes torpilleurs, il n'y en a pas un qui a les couilles pleines. Ah si, il y en a un qui a les couilles pleines. Où est-ce qu'il est? Piou piou piou. Si vous voulez bien, on va faire ça comme ça hein, plutôt. Putain, je me fais toucher. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, est-ce que mes avions sont encore là? Mes avions sont encore là. Est-ce qu'ils ont réussi à toucher quelque chose de cet enfoiré? Ça s'annonce très mal cette affaire. Ça s'annonce super méga mal. Après Megaman, voilà méga mal. Et malheureusement, je ne peux pas poser mes avions là-bas. Parce que ça serait trop simple. Donc du coup, voilà, mes avions ne servent plus à rien. La team est en plein désarroi. On va perdre comme des boulets. Pourtant, on a deux bases, hein. On a deux bases, mais voilà. Karim de base. Ah putain. Ah là là. Ouais, non, mais tu sais, tout à l'heure, quand j'ai dit oui, machin, ça commence à se dépeupler. Et ben voilà. Voilà, la dépeuplada. Et non pas la remontada. Ah putain. Apparemment, je ne peux plus donner d'ordre à mes avions. Ah bah non, je ne peux plus donner d'ordre à mes avions en fait, c'est ça l'histoire. Bon, bah écoutez, Karim de base, bah écoute, ça fratère, j'ai envie de dire, tu sais quand même où tu es, mon cher. Voilà. On a les deux bases, les Karim de base. Et merci, j'ai envie de dire un grand bravo. Un grand bravo à tous ces connards-là qui servaient à rien. Hein, parce que vraiment, vraiment, ils ont servi à rien. Je les félicite. Et pour la peine, je retourne au port. Je suis complètement salé, 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 salé. Hein, vous-même, vous le savez. Voilà. Voilà, je suis dégoûtance. Je suis fort mécontent des performances de mes coéquipiers. Et je ne les félicite pas. Je ne les félicite pas du tout. Pas du tout, pas du tout. La 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 la. Bon, ceci étant, on va s'en remettre. On va s'en remettre un jour. Hein, voilà. Par contre, on va changer de VOD, donc je vais couper 2 secondes et je vais lancer une autre partie. Wally Walou. Donc merci d'avoir été là. Si vous êtes sur YouTube, on se retrouve demain. Si vous êtes sur Twitch, on se retrouve tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite à faire du le Saint-Louis. Ouais, le Saint-Louis, il a bien besoin d'être avancé, je crois. Hein. Les éléments, ils sont comment? Piu, piu, piu. Enjoy, le Enjoy Phoenix est à 7000. Allez, on va le tenter. Allez, à tout de suite. Je vous épargne le temps de chargement. Je suis sympa, hein.